faut noter. Ça va, ça ne brille pas. Merci, Paco. Il brille pas. Ça a dégradé, en fait, ça fait un blanc, une crème, un noir. Ah ouais. Par rapport aux autres, franchement, c'était beaucoup plus simple. Vous avez bien mis, hein. Jeannot, je l'avais tous les jours là. C'est le fils de gendarme. Et, quelque part, c'est devenu un frère. Hein. On s'est vraiment régalé de faire cet album chez toi. Merci. Ouais, merci. Toi qui as fait tous les albums des Barbeaux. Il y a un tournant musical un peu. Ouais, c'est bien. On tape un peu moins dans le rétro, quoi. Parce que vous avez tapé dans le rétro à une époque. À un moment donné, on fait du reggaeton, pas celui de Puerto Rico, mais celui d'ici. Un peu de reggae, un peu de cumbia, de la chanson française. Tout ressemble à tout, ouais, voilà. C'est un éternel recommencement. Il y en a là, c'est carrément métal. Pour l'instant, on en est encore à vous demander du pognon. Il y a quoi qu'il faut payer dans l'album? Il faut payer l'enregistrement. Le salaire. Ça va coûter 20 000 balles l'album. On finit de fabriquer en fait ce disque parce qu'il n'est pas fini. Il y a trop de dépenses. Mais voilà, si jamais t'as 20 balles, nous ça nous aide pour payer le dunks, l'électricité, la flotte. Il faut acheter des croquettes pour le chat. N'hésite pas à contribuer. On passe pas sur France Inter, Énergie, Skyrock. On fait le buzz encore. C'est comme ça qu'on va le défendre cet album. On va le défendre ensemble.